toute l'histoire de Remdesivir, c'est aussi incompréhensible que l'histoire d'hydroxychloroquine. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ouais. Remdesivir est un antiviral. D'accord ? Et ils avaient déjà testé, ils essayaient de le recycler parce qu'ils avaient essayé de mettre ça pour Ebola, déjà ça ne marchait pas. Et c'est un antiviral qui est très toxique, donc on le sait, donc il y a plein d'effets secondaires. D'accord ? Donc si vous regardez le coronavirus, au début, vous ne savez pas, la mortalité en fonction des endroits, elle est entre 2, 3, 4%, 5% dans les situations qui ont été moins bien gérées. Et au début, vous ne savez pas ceux qui vont devenir graves et ceux qui ne vont pas l'être. Donc vous ne pouvez pas prendre le risque, quand vous voyez les gens qui arrivent avec un diagnostic, au début, de mettre du Remdesivir. Vous ne pouvez pas le faire parce que c'est trop toxique. D'accord, ça fout des insuffisances rénales, c'est toxique, c'est un produit toxique. Donc vous pouvez le prendre, mais tout ça est une question de risque-bénéfice. D'accord, donc si vous avez un grand bénéfice à espérer, d'ailleurs dans l'étude, les études qui ont été faites, dont celle qui a été communiquée à l'OMS et que Gilead a enlevé immédiatement. C'est incroyable aussi. C'est incroyable que la presse se fait comme ça. C'est inouï. C'est que le Remdesivir, ils ont été obligés de l'arrêter dans 10% des cas, tellement c'était toxique. Alors vous n'imaginez pas de donner à des gens qui sont ambulatoires un truc que vous êtes obligé de donner à l'hôpital par voie veineuse et que vous allez être obligé d'être arrêté pour des insuffisances rénales. Donc c'est un truc, pour que vous ayez un bénéfice à ça, il faut que vous ayez une mortalité de moins de 10%. Oui. Comme le SARS. Hein ? Comme le SARS. Comme le SARS, voilà. Mais là, ce n'était pas le SARS. C'était une maladie, si vous voulez, qui est un peu plus sévère que la grippe, mais qui n'est pas le SARS du tout. Donc, le Remdesivir pouvant pas être donné au début, qui est le moment où il peut être actif, parce que dans les maladies virales, c'est au début que les antiviraux sont actifs. À la fin de la maladie, quand la maladie s'aggrave, elle n'est plus virale. Elle devient immunitaire. Mm-hmm. Mais le Remdesivir, ce n'est pas un médicament immunitaire, c'est un médicament viral. Donc ça ne peut pas marcher à la fin non plus. Donc ça peut marcher ni au début ni à la fin. D'accord ? Donc il n'y a pas de place pour le Remdesivir dans cette affaire. Donc que Gilead devienne le médicament référent, si vous voulez, pour cette maladie, c'est juste un contresens. On sait pas. Et donc, moi, entre ce contresens-là et le contresens de l'hydroxychloroquine, si vous voulez, on finit par se demander si c'est possible d'être aussi fou, si c'est vénal, quoi.